Hey, Merav! Hello. Merav, Good. How are you, Jaya? Nice to see you, Merav. So Nice now to we see meet you. to continue to organize for workshop for women for the Yo, I'm so excited, really. Yes. I'm so excited, and I can't hide it. Yes, I just will translate a little bit in French if some woman sees a video. So on se rencontre avec Merav parce que Merav elle est d'Israël, de Jérusalem et elle vient justement nous apporter cette belle énergie de Jérusalem. Yes. He shall bring me a juice like melon and watermelon. So Ooh. you want to say hello to Mera? Come on, come on, Hi. say hello to Mera. Hi. How are you? Donc on est en train de préparer, là c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Mera pour continuer de préparer la retraite, être et devenir femme. Sur la route de Marie-Madeleine et Merav, du coup, elle arrive spécialement en fait d'Israël, donc de Jérusalem. Elle est danseuse professionnelle et elle vient justement pour voilà, donner des temps de danse qui sont en lien avec justement la réappropriation des différentes facettes que nous avons en tant que femmes. Et voilà, la femme chamane, la femme sauvage, la femme lion, la femme rose, la femme Dolce Vita, la femme aux 10 000 noms et tant d'autres en fait que nous allons se réapproprier et notamment entre autres avec la danse et par justement les talents de Merav. So I said to woman whole dance we will do for the workshop. So chin chin, we see soon. L'chaim. L'Rahim, yes. Yes, Isha, je les entends comme ça en fait. Ok. Pourquoi c'est pas le trou? C'est pas branché, mais du coup, ça me va d'écouter comme ça. D'accord? Do you want to say something for woman, Mehrab? Yes. So, hi, nice to meet you. I'm Merav. I'm a dancer from Jerusalem, Israel. And here I'm in my house in Israel. And I really like to meet you, girls, women, amazing women in France, and to give a lot of energy together, a feminine energy. And in my part, I will give a dance workshop. And I'm excited about it. Yes, thank you, Merav. Donc, elle nous dit de ses mots à elle, voilà, qu'elle arrive d'Israël, de Jérusalem, en tant que danseuse professionnelle. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Mon ami, si tu vois Robert peindre un voir ce jus, c'est qu'il n'y en avait pas assez pour Robert. Ah, ok, d'accord. Ben, tu veux lui en donner un petit peu? T'en as assez? Oui. Si ceux qui fabriquent les jus n'ont pas assez de jus à boire... Because he shall bring me juice, melon and watermelon juice, but she told me that Robert who making the juice, he don't have enough juice. So I said, okay, so bring him the half, you know? So yes. Ok, donc en tout cas, Merav nous disait voilà, qu'elle était très heureuse de venir aussi en France et de pouvoir justement offrir de ses talents aux femmes et vraiment d'aller connecter cette partie féminine en nous aussi à travers la danse et à travers les lieux magnifiques où on va être. And can I say for to the woman you the gift? Oh no. Yeah, 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 please say. Or maybe you want to say. I can say that I'm gonna bring a small gift from Jerusalem, from the old city, a small memory from you, from me, you, that you can take with you and save as a memory from the retreat and from my energy that
bring my dance and my soul from Jerusalem. Mm. Yes, thank you, Merav. So Merav, elle va apporter justement un présent, un cadeau pour chacune des femmes justement en provenance de Jérusalem et plus particulièrement vraiment de la partie de la ville qui est dite sacrée en fait. Et voilà, pour qu'on pourra chacune, en tout cas que chacune pourra voilà garder avec elle et apporter avec elle après dans son quotidien. Et parce que je rappelle, cette retraite, c'est être et devenir femme sur la route de Marie-Madeleine. Et donc Marie-Madeleine, voilà, qui est avec, voilà, dans l'histoire, en tout cas aussi avec Yeshua, qui est vraiment en tout cas natif aussi d'Israël et de Jérusalem et des alentours, en tout cas de Jérusalem. So it's a gift you come, Merav, to France and to give your time, to give your talents for women. Yeah. So thank you for that. I'm excited really to see all of you. Yes. So every week we meet together with Mourad. Toutes les semaines on se rencontre avec Mourad, avec Merav. I make a mistake, I said Mourad. Mourad c'est mon compagnon, c'est mon mari. But Merav, Mourad, yeah, oh my god, I wish that always when I would translate. Je vais souvent peut-être me confondre quand je vais dire pendant la retraite Merav et Mourad. And so I lose the what I want to say. Sorry. So I lose what I want to say. So yeah, I said, okay, we meet every week with Merad to continue to organize and to feel for you, yeah, to create the best and also to let a place, you know, for the divine and the invisible thing the life want to give you also inside this portrait. So ouais, on se rencontre chaque semaine avec Merav pour vraiment continuer en tout cas de créer voilà cette retraite ensemble et surtout de vous sentir pour celles qui sont déjà présentes et pour celles à venir, parce que je rappelle qu'il reste 2 places pour la retraite. Dans tous les cas, la retraite se vit et ça sera avec plaisir de, ben voilà, de vous accueillir, de t'accueillir si l'appel est là pour toi. Et voilà, on se connecte à vous et pour vraiment vous offrir le meilleur pendant cette retraite et aussi laisser la place pour que le divin, pour que le flux invisible et que j'aime nommer l'intelligence infinie d'amour universel puisse vivre justement davantage encore en fait à l'intérieur de nos corps, de nos cœurs et dans cette vie en fait. Voilà. Yes, thank you, Merav, to be here. Thank you. So, I hope I'm waiting to dance with you through the knowledge of Sufic dance, belly dance, contemporary dance, gypsy dance, and so much feminine, amazing dance together. Yes. Elle va nous voilà, accompagner, elle va accompagner chacune d'entre vous donc à danser ces danses, que ce soit au niveau du ventre, au niveau de... Voilà, de se réhabiliter son corps aussi, dans le fait de tourner comme avec la danse soufie aussi, en tout cas dans les prémices de ça, danser cette, gypsy woman, so la femme nomade, la femme gypsy, et tant d'autres facettes aussi à travers la danse. Et donc, cette retraite, tu l'auras compris, en fait, elle permet d'intégrer ces différentes facettes en tant que femme pour vraiment se sentir unifiée, complète. Et donc, à travers la danse, et moi, chaque jour, je t'accompagne aussi à travers le corps et ton énergie sexuelle pour que vraiment tu puisses faire une, en fait, avec ton corps et cette énergie sexuelle qui est rien d'autre que ton énergie créatrice, ton pouvoir créateur et ta vitalité aussi à l'intérieur de toi. Et puis, chaque jour, on ira aussi à la rencontre de lieux naturels. Parce que donc, ça se passe dans le sud de la France. Ça se passe dans le sud de la France, donc dans un premier temps à Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, dans cette partie-là. Et après, la deuxième partie, c'est à la Sainte-Baume. Donc, c'est du 15 juillet au 21 juillet.
Donc, ça va être vraiment avec ces rencontres de lieux aussi forts à travers notre corps et nos cellules, si je peux le nommer ainsi. Et il y aura également le deuxième soir une hutte de sudation guidée par mon amie Fabienne Satinka Guetté dans les montagnes au-dessus Rennes-les-Bains face au mont Bugarach. Et le dernier soir, mon compagnon Mourad donc, nous rejoindra et on vous donnera donc un concert méditatif. Et il sera là également le dernier jour pour voilà, le dernier temps de danse avec Merav. I send, I explain for all women, you know, all things we will. They will meet, they will experience inside this retreat. Yes. Okay, so thank you, Merav, to be here. I think I will say that every time. and we said see you soon. And maybe you, if you see this video, remember there is two more places for the workshop, so you can come now. Yeah. C'est encore le moment de venir. So thank you. Bye bye. Thank you. Merci. Shalom, shalom.